Yep tout le monde, c'est Magic et aujourd'hui une nouvelle vidéo. On se retrouve donc pour une vidéo un peu spéciale. En fait, à chaque fois je dis ça, je me rends compte. Et le principe, c'est que là j'organise donc un tournoi donc de construction de pistes. Il y en a pas souvent des tournois français. Donc voilà, donc du coup ça fait, enfin j'en fais un. Alors le tournoi donc ça va être que vous puissiez en fait construire donc une piste par personne. Il faudra que ce soit une piste donc de débutant à Ninja Level 1, mais pas plus que Ninja Level 1. Voilà. Je vous dis pourquoi juste après. Il faudra aussi que pour des raisons donc de classement et tout, il faudra que la piste sera, enfin le nom de la piste sera précédé de je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Vous mettez entre crochets, vous savez les petits crochets, hein, pas les parenthèses, les crochets, vous mettez. Je sais pas moi, ABZ, ouais, ABZ c'est très bien, ABZ en majuscule, entre crochets avant le nom de votre piste, du coup ça va permettre de me repérer. Il faudra aussi que vous m'envoyez donc soit un message sur YouTube. Donc je suis désolé pour ceux qui sont sur Gold Edition, ils ne pourront pas créer de piste. Pour la bonne et simple raison que en fait les meilleures pistes choisies, donc il y aura 7 pistes choisies. Et ben donc pour ceux qui auraient déjà compris, donc 7 pistes, 7 c'est le nombre donc de pistes que Psychodélique présente à chaque best of track. Donc voilà, du coup les 7 pistes présentées, donc enfin les 7 pistes gagnantes seront présentées donc lors d'un best of track de Psychodélique. Dans l'ordre évidemment, donc de la meilleure à la moins bonne. Donc les critères, c'est quoi? C'est ça va être la ligne de course évidemment, si elle est bien faite ou pas, s'il y a des trucs qui nous bloquent, enfin qui nous bloquent, forcément il y aura des obstacles qui vont nous bloquer, mais je veux dire s'il y a des trucs invisibles par exemple qui, enfin voilà quoi, c'est voilà, vous m'avez compris. Ensuite le décor normal et pourquoi pas les animations aussi. Donc on verra, on regroupera tout ça, on verra, voilà. Mais vraiment, j'aimerais bien que vous passiez vraiment beaucoup de temps dessus. Enfin, beaucoup de temps, ça dépend si vous y arrivez bien, si vous gérez bien l'éditeur. Mais en tout cas, que vous faites une piste avec beaucoup de décors et tout. Parce que, bon, il y aura un jury, forcément. Il n'y aura pas que moi qui va noter les pistes. Parce que, justement, moi j'aime bien les décors réalistes, etc. Pas un truc qui vole. Enfin, moi les pistes, par exemple, les pistes de CS, CS2. Bon, je les trouve magnifiques, il fait des superbes animations, mais pour moi c'est tout ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment réaliste, mais je dis pas que c'est de la merde, attention. Il fait vraiment des magnifiques trucs, mais moi c'est pas trop mon style, donc voilà, j'ai noté 5 étoiles évidemment parce que c'est un boulot monstre, mais voilà, je veux dire, c'est pas mon type de piste préférée. Mais après, voilà, si dans le jury, par exemple, on sera à peu près 5, un truc comme ça, dans le jury, il y a 4 personnes qui aiment ça, forcément la piste sera, enfin, je comptabiliserai ça. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas que mon avis qui joue. Voilà, j'ai à peu près tout dit pour ce concours-là. Et j'organise un tournoi aussi sur. Donc là par contre c'est sur Twitter, parce que sur YouTube c'est trop la merde pour organiser. Un petit tournoi donc sur Twitter. Je sais pas comment je vais faire ça, mais j'avais l'idée donc de faire comment? Des équipes en fait, tout simplement des équipes de 4 où chacun jouera et rapportera un point pour son équipe. Enfin, on verra comment on organise ça et ça pourrait être vachement vachement cool. Et donc voilà, mais ça se passera que sur Twitter dans quelques jours. Et oui, ah, j'ai pas dit la date de fin pour le tournoi donc de construction là. Ce serait vers mi-août, donc mi-août, donc le 15 août quoi. Le 15 août, enfin c'est fini quoi. Vous devez obligatoirement publier votre piste, donc on va dire le, non, pour faire bien, on va faire donc le 15 août tout doit être mis, donc le 14 août à minuit ça doit être mis. Voilà, bon, il pourrait y avoir quelques petits retards, mais pas plus d'un jour, hein. De toute façon ça, après ce sera, enfin voilà, donc voilà, j'ai tout dit, donc mon Twitter dans la description, et donc sur ce je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien, salut à tous.